Et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez commencé une excellente journée. Et en même temps, on est en direct sur Ruko TV et aussi en simultané avec Facebook et sur YouTube. Et évidemment, j'espère que ben, voilà, on va passer un petit moment ensemble. Dans quelques instants, il y aura la météo, comme évidemment d'habitude sur Ruko TV. Et après, il y a un tout petit peu de l'actualité, évidemment, voilà, sur la chaîne. N'hésitez pas à partager et aussi à, évidemment, voilà, essayer d'interagir avec moi. Ils sont avec Zoom, Skype, etc. Je vais évidemment charger la Zoom et aussi Skype, pour que vous puissiez passer en direct avec moi. Et puis, donc, dans quelques secondes, on va passer évidemment à la météo du jour. Évidemment, donc, il y a quelques petits points d'actualité à pouvoir voilà, en discuter. En même temps, dites-moi sur le chat si vous avez comment voilà vous avez commencé un petit peu la journée. Est-ce que vous êtes sur télétravail ou évidemment vous apprêtez soit évidemment aller travailler ou vu que l'heure à quelle heure je suis en train de commencer. Il y a eu pas une petite souci de technique parce que voilà, je vais vous raconter en même temps que je charge la partie donc Zoom et aussi Facebook. Donc si vous voulez participer à l'émission, évidemment, n'hésitez pas. C'est évidemment là, on est en direct sur Ruko TV. Sur YouTube, mais aussi vous allez avec Facebook. Voilà, donc on est déjà. Voilà, je suis prêt. Voilà, donc vous pouvez évidemment, si vous voulez participer, il n'y a pas de souci. Donc, ben, on va passer directement à la météo du jour et puis on se voit après ça. Bienvenue donc à la météo de Micro TV. Je vais vous montrer tout de suite la carte de ce matin. Comme vous pouvez y voir, bah, il y a déjà quasiment le département du Grand Est avec de la brume, voire des petits vents de brouillard. Évidemment, donc l'été. Températures aujourd'hui sont un petit peu fraîches avec un tout petit 6 degrés donc ce matin la grisaille et des nuages bas parfois avec sont un petit peu tenaces avec l'Alsace et aussi la Lorraine un peu plus de soleil sous le relief évidemment les températures douces pendant la journée. Donc on a 6 degrés le matin, 14 degrés pendant la journée, accompagné d'un vent de ouest à 5 et à 10 km/h en rafale. Je vais vous montrer l'évolution évidemment de la perturbation qu'elle est en train de traverser. Donc la région, qu'est-ce que ça va apporter cet après-midi? La voici, donc ben, voilà, on aura toujours de la grisaille et quelques petites éclaircies timides sur l'Alsace et voir aussi côté de un petit peu la Moselle et les Vosges.
couvert quasiment de la Meuse, Meurthe-et-Moselle et aussi de la Moselle, et par contre dans la partie des Ardennes, la Marne, Aube et la Haute-Marne, mais évidemment il y a de la pluie qui est évidemment possible pour aujourd'hui, dans cet après-midi. Évidemment, si plus ou moins un millimètre d'eau. Concernant donc la météo, donc pour mercredi matin, la grisaille et la brume et aussi le brouillard sont généralisés. Un peu de pluie en Lorraine et au nord de l'Alsace. Et dans l'après-midi encore de la ça sera brumeux et couvert, accompagné donc d'une température de 9 degrés le matin, 14 degrés pendant la journée. Possible averse à peu près de 1 mm d'eau par endroit, accompagné évidemment d'un vent du sud-est entre 5 et 20 km/h en rafale. On va regarder maintenant la journée de jeudi. Évidemment, les nuages ils sont toujours présents dans la région et le temps il est couvert quasiment partout. 9 degrés le matin, 14 degrés pendant l'après-midi. Accompagné d'un vent du sud entre 10 et 35 km/h en rafale. Et on va passer donc pour la journée de vendredi. Vendredi, c'est assez ensoleillé. Les nuages sont toujours présents dans le ciel du Grand Est. 9 degrés le matin, 15 degrés pendant la journée. Toujours un vent du sud entre 10 et 25 km/h en rafale. On va regarder maintenant ce qui se passe ce week-end. Évidemment, on a les températures en légère hausse. Grâce au vent du sud. Par contre, les nuages sont toujours là pour un petit peu décorer notre région, mais c'est assez ensoleillé. 10 degrés le matin, 15 degrés pendant la journée. Le vent évidemment du sud entre 10 et 20 km/h en rafale. Évidemment, ils vont un petit peu se dissiper dimanche avec quelques voile matinaux avec 8 degrés le matin, 16 degrés pendant la journée, un vent du sud entre 15 et 50 km/h en rafale. Possible averse entre la nuit du dimanche à lundi prochain, entre 1 et 2 mm d'eau par endroit. Évidemment, voilà, c'est la plupart, c'est un taux. Plus ou moins sec malgré le ciel qui est couvert. Et donc voilà ce que je pouvais vous dire pour la météo de Grand Est. On va passer maintenant à la météo de Domicourt. Actuellement, on a un ciel donc couvert avec 8 degrés donc concernant la température. Et évidemment, je ne sais pas pourquoi aller tout à l'heure ici bien affiché et maintenant il a du mal à s'afficher pour la météo Domicourt. Et en tout cas je vais passer ailleurs par rapport à ça. Je vais voir si effectivement ça fonctionne ou pas. Apparemment, mon ordinateur aujourd'hui il est un petit peu en ralenti, mais voilà, ça se passe relativement bien. Maintenant, je vais vous dire tout de suite la météo, évidemment, de mes cours dans quelques secondes.
Oui, toujours, voilà. Là, voici. Donc, actuellement, on a un ciel nuageux avec 9 degrés. Donc, en ce moment même que je vous parle, avec un vent du sud-est à 3 km/h en rafale. Les températures, évidemment, sont 6 vers 6 h du matin et 14 degrés pendant la journée. Donc le ciel, évidemment, ça reste nuageux quasiment toute la journée. Pour la journée de mercredi, donc on a un ciel toujours nuageux quasiment toute la journée, accompagné d'un vent de sud-est à 5 km/h en rafale. 7 degrés le matin et 13 degrés pendant la journée. On va passer pour la journée de jeudi. On a toujours le ciel, bah, évidemment, qui est couvert quasiment toute la journée. Évidemment, ça reste un temps sec, accompagné évidemment d'un vent du sud-ouest à 11 km/h au rafale. Concernant donc, on s'approche du week-end, donc vendredi, on a un ciel évidemment toujours couvert. Avec des températures de 7 degrés le matin, 14 degrés pendant la journée, accompagné d'un vent toujours du sud à 7 km/h en rafale. Pour la journée de samedi, ça promet bien, le ciel il est bien dégagé quasiment toute la journée, accompagné d'un vent toujours du sud à 8 km/h en rafale. Les températures douces entre 7 le matin et 16 degrés pendant la journée. Concernant donc pour dimanche, voilà, il y a la possibilité d'avoir de la pluie. Ce sera un peu moins que 1 mm d'eau. Évidemment, ça peut ce phénomène de pluie, donc d'averse, ça peut être dans l'après-midi et la soirée. 8 degrés le matin, 15 degrés pendant la journée. Un vent du sud-ouest à 17 km/h en rafale. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour la météo, évidemment, dans mes cours. Ce sera toujours à confirmer dans les jours à venir, évidemment. Voilà pour le moment ce que je pouvais vous dire actuellement pour la météo, donc dans mes cours. On est toujours en direct avec mes cours TV sur YouTube et en simultané avec Facebook. N'hésitez pas évidemment à voilà, commenter, voilà, mais aussi de partager la vidéo. Et puis donc voilà, on est je vais voir un petit peu ce qui se passe sur le côté du chat et aussi donc s'il y a des personnes qui sont en attente de passer évidemment en direct avec nous avant de nous passer évidemment à l'actualité du jour. Alors donc pour le moment voilà, c'est un petit peu calme au niveau du chat sur Zoom. Donc, vous pouvez évidemment venir en direct avec moi. Justement, il y a juste en dessous de moi. Donc, il y a les adresses pour participer évidemment en direct avec moi hein, sur mes cours TV. Vous pouvez aussi, car j'ai vu hier dans les informations que on se sent isolé. On se sent un petit peu emprisonné, bah, évidemment, on est en plein confinement. Vous avez la possibilité, avec mes cours TV, de pouvoir communiquer avec toutes les personnes qui me connaissent par intermédiaire d'une toute petite vidéo que vous pouvez faire tranquillement avec votre téléphone. Et puis l'envoyer donc sur l'adresse mail évidemment de la chaîne et donc ça sera publié sur la chaîne sur évidemment YouTube. Il y a une évidemment une rubrique
qui a été créé pendant le confinement acte 2, et que ça permet de voir tous les messages qui sont postés tranquillement par évidemment fait pour vous. Si par exemple, voilà, vous dites je suis mal à l'aise avec la vidéo, etc., c'est pas grave, vous faites quand même cette vidéo, et moi je prends juste au niveau de l'audio, et ça sera posté comme un podcast et donner donc le message à toutes les personnes qui vous connaissent. Et aussi, donc, ça donnait la possibilité à les personnes qui vous connaissent, à leur tour, de poster aussi le message qui vous est adressé. Et puis voilà, donc, n'hésitez pas à participer, donc, casser un petit peu les barrières d'isolement que on ressent en ce moment pendant ce confinement. Évidemment, donc dans quelques secondes, on va passer évidemment à l'actualité du jour. Donc n'hésitez pas à à interagir avec moi pour évidemment interagir, et en même temps, c'est une émission interactive, et c'est pour ça que je vous incite à participer. Donc, on se revoit tout de suite après ça. Bienvenue donc sur Omicron TV, et puis donc voilà, on va passer évidemment sur les titres qu'on va traiter aujourd'hui. Donc on a évidemment dépistage du Covid-19 qui est évidemment aujourd'hui, et je vais vous donner deux détails dans quelques instants. On va parler aussi de les TPE et PME qui, voilà, il a eu une réunion pour développer un peu tout ça. On va parler aussi de les élèves de primaire qui, évidemment, ils ont fait leur retour, évidemment. On va parler aussi de la fibre sur mes cours. Et oui, dans quelques instants, restez avec nous sur mes cours TV, et vous saurez un petit peu tous les détails pour les gens qui sont en attente, ils sont un petit peu excités par avoir justement la fibre. On va commencer tout de suite avec les enfants. Voilà. Donc le dépistage de la COVID-19. Aujourd'hui, donc, vous avez la possibilité de vous faire dépister gratuitement. Il y a les infirmières donc libéraux de Moutier, au Bouet, et aussi d'Omicourt. Ils ont organisé un dépistage de COVID-19, évidemment gratuit. Vous pouvez vous rendre évidemment sans rendez-vous et mis ordonnance. Évidemment, c'est aujourd'hui, ce mardi, donc ça déroule à l'ancienne école de Étienne d'Auvergne, à côté donc de la mairie à Moutier. Donc c'est le 8 bis rue de Metz, évidemment à Moutier. Vous pouvez vous rendre à partir de 13h à 16h. Les tests sont évidemment antigénique et rapide. Pour avoir les résultats, il suffit juste d'attendre un tout petit peu, donc entre 15 et 30 minutes, et vous avez le résultat évidemment assez rapide. Ils sont réservés aussi aux personnes de moins de 65 ans,
présent de symptômes depuis 4 jours au moins. Se présenter évidemment avec votre carte vitale, évidemment la carte d'identité, un stylo et aussi le port du masque, c'est obligatoire. Donc voilà, vous pouvez vous rendre aujourd'hui donc à Montier pour faire dépister gratuitement. On va parler maintenant de justement des entreprises, les TPE et aussi les PME. Donc c'était lundi, donc il y avait notre monsieur le maire Jean Tonnelot qui était en visioconférence organisée par le préfet de Meurthe-et-Moselle et en présence aussi d'Olivier j'ai perdu d'Olivier Doussan, ministre délégué au compte public, ainsi que une cinquantaine d'élus du département, mais aussi ils étaient présents donc de la CCI, la CAPEB, donc de l'ordre des experts comptables de 54 et l'organisation donc syndicale et patronale. L'objectif de cette visioconférence, c'était justement de faire un point sur les conséquences évidemment de la crise sanitaire dans le domaine économique pour les TPE et les PME, les artisans et aussi bien sûr l'augmentation prévisible pour la précarité donc sur le marché de l'emploi. Le coût aussi des collectivités locales était évidemment au cœur aussi de la préoccupation partagée. Donc c'est une affaire à suivre, évidemment. Voilà, on verra un petit peu les résultats de cette visioconférence. Quoi que ça va aboutir. Ensuite, je sais que hier, je crois, dans le live d'hier, j'ai donné à dire en entière, il y a la possibilité d'avoir des aides évidemment pour les TPE et les PME. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les vidéos sur la chaîne. Ensuite, on va parler évidemment du masque. Et c'est pour les élèves, justement, les élèves du primaire. Il y a eu 375 masques qui étaient donnés, justement, aux élèves du primaire. Solidarité des familles de mes cours, mais aussi de la colère. Alors que l'État fait porter sur les collectivités locales, en particulier les communes, le poids financier de cet effort, sans parler du budget évidemment conséquent sur que bah, ça représente aussi cette crise sanitaire pour les administrés et aussi leurs enfants. Évidemment, donc notre maire Jean Tonnelot remercie les élus qui sont mobilisés pour cette opération, dont évidemment deux écoles. Donc c'était l'école Julie Curie et aussi Julie Curie et Henri Barbus. Donc tous les élus comme Alain Savoyer, Laurence Giorgetti, Francine Genovese, Loès Yann Loan, Gérard Vacan, Mireille Manchetti, Régis Florent, Cécile Chiarelli et Lionel Gruvel. Voilà, il a fallu réagir vite à l'annonce justement des mesures gouvernementale concernant les écoles du primaire pour freiner justement la propagation du virus.
À savoir aussi que le port du masque est pour les enfants de 6 ans. Donc les parents n'ont ils ont eu quelques jours pour trouver un morceau de tissu pour est rendu évidemment et obligatoire sous les classes et aussi la bonne taille. Mais voilà, il y a eu aussi cette opération de la commune à donner les masques aux enfants. Et enfin, on va parler de la fibre sur Omicourt. Et oui, on aura. Je vais vous donner tout de suite les détails parce que je sais que c'est un argument assez friand. Il y a évidemment des personnes qui attendent que ça parce que, bah, évidemment, au jour d'aujourd'hui, on a besoin un peu plus de vitesse pour évidemment faire déjà qu'on regarde beaucoup la télé sur Internet et aussi on peut travailler, etc. Et voilà, donc la fibre à très haut débit à partir du 1er janvier dans deux 1er janvier 2021, évidemment. Il y a deux quartiers qui sont pour le moment privilégiés pour cette voilà avoir le privilège et la qualité du haut débit d'Internet et aussi une des préoccupations des couples lorsque ils cherchent justement s'installer dans la commune. On a tout de suite justement la première chose qui s'est demandée. Est-ce qu'il y a de la fibre évidemment dans la commune? Et ça n'échappe pas, évidemment, les élus, etc. Et aussi, évidemment, aux familles. Mais voilà, à partir du 1er janvier 2021, les habitants du quartier Gare et aussi le collège pourront profiter du très haut débit. Évidemment, un déploiement jusqu'à novembre 2021. Une offre a été faite donc entre 10 et 500 mégas par orne TDH. Donc c'est une agence qui est implantée évidemment en 54 rue Franche-Pré à Jeuf. Évidemment, voilà, je mettrai comme d'habitude tous les articles et numéro de téléphone et voilà pour déjà pouvoir avoir déjà les offres pour avoir le haut débit, mais en sachant que les premiers à pouvoir souscrire un abonnement auprès de l'opérateur local seront les habitants du quartier Gare et le futur collège. Pour eux, donc l'offre sera accessible à partir du 1er janvier 2021. Pour le centre-ville, il faudra patienter un petit peu jusque le 1er juillet, donc toujours 2021. Initialement, était annoncé à la date du 1er avril, mais en fonction évidemment des aléas liés à la crise sanitaire, évidemment, il préfère prévoir un petit peu de délai. Mais rien n'est dit que ce ne sera pas fait évidemment à la date initiale ou à peu près, donc dans les délais. Il explique donc notre directeur, donc Kevin Watts, directeur du service technique. Pour la petite fin, on annonce approximativement le 1er août. Pour la grande fin, ça sera le 1er septembre. Et pour la zone donc de haute étape, ça sera le 1er novembre 2021. Donc voilà, un peu de patience, mais voilà, globalement, dans l'année 2021. Quasiment tous les quartiers de Omicourt ils vont être
équipé donc de la fibre à haut débit. En sachant que ça fait déjà à peu près 5 ans à peu près on a déjà la fibre. Sauf que voilà, c'est je pense financement, les financements, etc., qui sont un petit peu freinés le développement. Mais voilà, maintenant, il y aura une plateforme qui va être créée avec justement la tête de la fibre qui sera évidemment dispatchée partout sur Omicron. Voilà, un petit peu de patience hein, pour avoir le haut débit, mais en tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour l'actualité d'aujourd'hui. On est toujours en direct, évidemment, sur Omicron TV, sur YouTube et en simultané évidemment. Facebook et sur YouTube. Évidemment, n'hésitez pas à partager la vidéo, aussi d'envoyer des petites vidéos pour communiquer avec la famille, les amis, à toutes les personnes qui vous connaissent en toute sécurité. Et aussi, si vous voulez participer en direct évidemment sur Omicron TV, de vous connecter avec Zoom et aussi avec, si vous voulez, Skype. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec moi en direct pour voir un peu comment vous êtes organisé, comment vous, évidemment voilà, c'est je pense que on a plus ou moins des difficultés. Il faut remplir la déclaration, l'attestation donc pour pouvoir sortir. Des fois, on peut se tromper de case et tout ça. Ça m'est déjà arrivé une fois, mais bon, j'ai réussi à rattraper le coup. C'est pour ça que, évidemment, je vous le dis. Donc voilà, n'hésitez pas justement à venir en direct avec moi sur Omicron TV. Évidemment, on va parler du confinement, comment évidemment vous organisez quasiment tous les jours. Est-ce que c'est maintenant une habitude ou voilà. Vous êtes pressé que ça se termine, etc. Malgré que c'est un petit peu reporté en février, voire le mois d'avril. Mais bon, voilà, on est évidemment positif, confiant. Et puis, voilà. Donc, n'hésitez pas finalement à venir en direct avec moi. Évidemment, je reste un tout petit peu avec vous. Ce que je voulais dire, il y avait aussi quelque chose que je voulais vous dire, mais évidemment, ça m'est échappé. Mais ça viendra. Entre-temps, donc, n'hésitez pas, si vous voulez participer en direct avec moi sur YouTube et en simultané avec Facebook. Et aussi, si vous êtes passé sur YouTube, évidemment, de pouvoir activer donc le petit bouton rouge avec la petite cloche qui ça permet d'être notifié pour les autres lives. Donc, normalement, on est du lundi au vendredi, on est présent, donc vous pouvez être notifié et aussi ça vous aurez la notification quand il y a des vidéos évidemment qui sont postées sur la chaîne, donc n'hésitez pas. Et en même temps, ça permet aussi de pouvoir développer la chaîne. C'est un petit peu un de mes buts pour
Omnicourt TV, en tout cas. Et en même temps, ça me fait énormément plaisir aussi de lire vos commentaires et en même temps aussi voilà, que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui soutiennent la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas justement à vous abonner sur YouTube et aussi faire un petit tour sur la page évidemment Facebook de Omnicourt TV. Donc vous mettez Omnicourt TV sur la barre de recherche, évidemment donnez coup quoi sur Facebook et vous trouvez donc la page d'Omnicourt TV officielle. Donc super, voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. Et puis bah, il y a tout l'article qui a été posté évidemment plus ou moins tous les jours, en tout cas par rapport à l'actualité, ce qui se passe sur la commune. Voilà, en même temps vous pouvez trouver les autres articles, les vidéos, etc. Donc n'hésitez pas. Alors je vais regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du chat pour pouvoir en discuter avec vous, évidemment. Pourquoi j'ai encore le petit bouton de YouTube? Évidemment, n'hésitez pas, juste là, juste là. Donc, voilà. Évidemment, voilà, on est toujours en direct sur Omnicourt TV, sur YouTube et en simultané avec Facebook. Je suis ravi d'être évidemment avec vous. Et en même temps, je fais un petit coucou. Eh bien, un petit coucou. Car sur la page, évidemment, d'Omnicourt TV officielle, on a atteint donc les 50 abonnés. Et oui, on a les 50 abonnés sur la page Facebook. Évidemment, un grand, grand, grand bienvenue à vous. Et puis, donc voilà, on va bienvenue donc dans l'aventure de Omnicourt TV. Et puis, donc voilà, ça me fait énormément plaisir, ça fait chaud au cœur. Et en même temps, ça me booste à aller plus loin. Et puis, en même temps, voilà, c'est énorme, ça me fait énormément plaisir, comme je vous ai dit. Mais voilà, c'est se sentir un petit peu soutenu, voilà, c'est formidable. Donc, bienvenue à vous, et puis voilà, n'hésitez pas à le partager pour évidemment développer un petit peu la chaîne et aussi la page de Facebook. Voilà, je voulais faire juste ce petit coucou et en même temps de remercier toutes les personnes qui justement me suivent sur YouTube et aussi sur Facebook. Donc voilà, c'est énorme. Alors je vais regarder un petit peu sur le chat si tout va bien. Je vais regarder aussi au niveau de Zoom s'il y a des personnes qui sont en attente. Pour le moment ça va, aujourd'hui c'est calme. Hier c'était bien, malgré que voilà, ça a été en version audio, parce que j'ai pas réussi à trouver le problème technique en direct, madame, messieurs, c'était en direct. Et justement de trouver le problème, évidemment, la situation, et que ben là aujourd'hui ce moment, donc voilà, ça se passe bien. En tout cas, j'ai tout ce qu'il faut, évidemment,
Et aujourd'hui, ça marche tranquillement parce que j'ai trouvé, évidemment, hier, j'ai trouvé le problème. Donc, maintenant, ça marche bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à venir en direct avec moi. En tout cas, si, et voilà, s'il n'y a pas de questions particulières, s'il n'y a pas de, voilà, si vous n'avez pas envie d'être là en direct avec moi, mais pour moi, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, on est toujours en direct sur Encore TV. Et donc, tout à l'heure, j'en ai passé un message, on va revenir, voilà, que vous pouvez évidemment faire des petites vidéos et donner donc de vos nouvelles à vos proches, pour les personnes qui nous connaissent, par intermédiaire donc de la chaîne Encore TV, en toute sécurité, parce que évidemment, crise sanitaire oblige. De limiter nos fréquentations, voilà, nos contacts avec les personnes qu'on évidemment connaît. Mais voilà, justement, il y a Encore TV que déjà en mois de mars donné la possibilité de le faire en direct, évidemment, acte 2 évidemment, du confinement, vous pouvez toujours le faire en direct. Voir maintenant, justement, avec le confinement acte 2, vous pouvez faire une petite vidéo avec votre téléphone. Vous mettez, voilà, vous filmez avec votre téléphone et vous envoyez justement l'adresse mail de Encore TV, votre vidéo. Et puis, ça sera posté évidemment sur la chaîne d'Encore TV sur YouTube. Il y aura aussi des liens évidemment sur la page Facebook. Voilà. Et en sachant que sur YouTube, il y a une rubrique que j'ai créée justement exprès pour vous, hein, pour poster les vidéos et pouvoir évidemment avec la famille, les amis, etc. Ils peuvent avoir donc voir la vidéo et avoir de vos nouvelles en toute sécurité, voilà, avec des distances, voilà, on est évidemment sur l'écran, sur donc vous pouvez évidemment donner des nouvelles et en même temps eux après à leur tour évidemment ils peuvent aussi donner et répondre à votre vidéo. Donc n'hésitez pas à utiliser évidemment Encore TV pour vos messages pour les personnes que vous connaissez et donner des nouvelles. Donc, voilà, parce que aujourd'hui, voilà, on a Internet, on a aussi le média donc pour le faire, donc n'hésitez pas. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas pour aujourd'hui. J'étais ravi d'être évidemment avec vous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, voilà, à mettre des pouces, etc. Ça évidemment ça fait énormément plaisir et en même temps ça aide à la chaîne de pouvoir se développer. Et puis, ben voilà, je vous dis évidemment, je vous donne rendez-vous à demain. Et puis, voilà, de passer un petit moment ensemble, ça me fait énormément plaisir. Et puis, en même temps, voilà, ça permet aussi d'avoir un petit peu le poids de ce confinement. Et puis, en même temps, bien, en toute sécurité. Et ça me fait énormément plaisir. Dites tout ça, ben je vous donne évidemment rendez-vous à demain, toujours à peu près à 10 h, et en même temps à nous.
Amusez-vous et puis ben voilà, faites attention et tout, et tout, et tout. Et puis voilà, je vous dis à demain. Portez-vous bien.